Ok. Or. 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 Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh que je suis heureux là. Oh que je suis heureux. L'Archimédée, c'est un nouveau truc qu'ils ont mis très récemment, poteau. En fait, avant, tu sais, on faisait. On allait voir Tacfer comme ça. T'allais voir Tacfer. Et tu faisais tes cellules de Netra chez lui. Bon, bah maintenant, en fait, tu peux consommer deux impulsions dans l'Archimédée. Et en fait, au lieu d'avoir chacune une reward, eh bien, t'auras cinq rewards avec les deux consommations d'impulsions. Donc, ça, c'est formidable. Mais si tu veux le faire en une fois, eh bien, t'en chies. Voilà. T'en chies de faire tout et même de récupérer les 50 phosphores à la fin, tu vois. Alors, je sais que j'ai vu parler, il y a plein de gens qui en parlent là, ils disent oui, je peux faire une contrainte en moins, comme ça, c'est pas grave, les dernières poussières, tout ça, bon. Les gars, faites comme vous voulez, moi je fais la totale, moi. Moi j'ai pas le temps, moi, j'ai pas le temps. Alors, c'est quoi les malus? Épuisement d'énergie, vous perdez 2 points d'énergie pour chaque ennemi à moins de 10 mètres. Tous les pouvoirs sont désactivés jusqu'à l'élimination de 50 ennemis par escouade, ok. Syndrome de malédiction, le lancement d'un pouvoir vous inflige 50% de 50 points de dégâts. Et pouvoir abrégé, réduction de 75% de la durée des pouvoirs. Quel enfer cette semaine, quel enfer. Quel enfer. Oh, c'est terrible. On va garder Mesa. Hein. Alors Mesa, on va prendre... je vais jamais jouer Vectis. Je vais prendre le Kmonta. Plink, c'est très très fort. Et on finit sur Namiskila qui sera toujours une valeur sûre en termes d'armes. Ce sera toujours, toujours, toujours une valeur sûre. Allez, c'est parti. On va aller gérer ça. Bonjour à Chris Blacky. T'abuses, moi j'ai eu de la bouse en Archimédée. Bah, habituellement, j'ai de la bouse. Là, j'ai un peu mieux que d'habitude, tu vois. J'en ai prévu un pour l'Archimédée. Ouais, j'en ai prévu un. On va prendre Mesa. On va préparer notre petite Mesa tranquillement. On va juste préparer les armes. On va gérer après, donc le Quanta, je pense que le Quanta Vandal ça passe, hein. On va voir après. Ensuite, on avait dit le Plinx, donc on prend le Plinx Tenet, bien évidemment. Et en dernier, on avait dit Namiskila, Namiskila qui sera toujours une valeur giga sûre. Une seule charge jaune, ouais, tu sais quoi, on va mettre la taux forgée. Nickel. Donc niveau énergie, je devrais pas en chier étant donné que j'ai Grendel. Par contre, ouais, c'est plutôt les PV là. Ah, les PV là. Ouais, non, j'ai le Vazarin. Ouais, non, j'ai Vazarin, c'est ok. Vélocité, vengeance. Alors vengeance, je peux mettre Energize à la place. Étant donné que là, niveau énergie, on va en chier. Vélocité, on est obligé de le garder. Équilibre en plus. Oh, j'ai Grendel, hein. Je peux ne pas prévoir équilibre. Roulade parade, continuité, peut-être un peu plus de puissance, secret de l'augure. Secret de l'augure, c'est bien. Ah, mais ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de durée. Putain, j'arrête pas de tousser aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Normalement, c'est ok, ça va passer. Je suis en Vazarin, mes régulateurs, normalement, c'est corrosif-feu. Corrosif-feu. J'ai un antifac, je vais mettre les antifacs murmures. Et là, je suis censé casser la gueule à tout le monde. Là, normalement, personne me résiste. Je suis irrésistible. Ça se voit combien, Riven and Roll? Toutes les armes, c'est pas les mêmes, Darey. Si tu limites ta réflexion à ça, tu vas pas t'en sortir, Darey. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Oh, merde. Ça, c'est vrai. Je vais le faire avec le Plinx, tiens. Le Plinx, ça tue fort. Hein. Ça tue très fort. Il faut tuer 50 ennemis, les gars. Il faut tuer 50 ennemis vite. L'électrique, il faut le mettre.
J'ai pas regardé c'était quoi les malus, hein. J'ai absolument pas vu qu'est-ce que c'était les malus. Donc advienne que pourra, les gars. Ah, c'est bon. On a libéré les pouvoirs. Les gars, mettez les trucs, moi je les tue. Ils pourront jamais approcher, les gars. C'est impossible qu'ils approchent. Ah, en plus j'ai plein d'overguard, là je suis bien. Ah je suis bien. Là on a une team. On a une team. Allez, il manque un peu d'électrique là. Allez, c'est bon. Il faut laisser la barre monter, hein, d'accord. Ne tirez pas sur les trucs, laissez la monter. On attend qu'elle arrive à la fin de la case. On attend qu'elle soit à la fin. Je vous laisse tirer par vous-même, les gars, pour éviter que... Ouais, je le fais. Allez, il y en a un autre ici. Attention. Ah voilà, bien joué. Il y en a un là, attention. Nickel. Jusqu'ici tout va bien. Nickel. On peut le faire maintenant. Ça passe. Il est toujours dedans. Parfait, allez, suivant. Allez, comme tout à l'heure, les gars. C'est la Dream Team. Je clean, vous prenez les jauges, vous les mettez direct. Oh. Tant de graphismes, les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces effets là? C'est terrible ce qui se passe là. Mais moi je souffre. Vous croyez que j'ai monté mes graphismes, j'ai oublié de les redescendre? Ah, comme on les fume rapidement. Comment tu fais pour avoir ta mana en 2 secondes? C'est Grendel. L'Elmint de Grendel, poteau. C'est vraiment l'Elmint qui te rend des problèmes d'énergie. Ça devient du passé, tu vois. Donc là, j'ai Elmint de Grendel sur ma mesa, sur le premier pouvoir. Il suffit que je ramasse une orbe d'énergie. Au lieu de me donner 100, ça va me donner 200, tu vois. Même plus que ça, parce que j'ai 200 de puissance. Ah non, c'est ça. Regarde, tu vas voir, alors. Non, ça me donne 66, 76. Non, voilà. Ça donne beaucoup plus de... Ah, mais non, j'avais pas Grendel actif. Là, je pouvais pas bien voir. Là, ça m'a donné 300, tu vois. Une orbe, ça me donne 300, poteau. Au lieu des 60 habituels. Bonjour à Foxyod. Ça prend des photos. Ah mais là c'est terrible, les graphismes que j'ai là. Allez, la mission elle est quasiment finie. Elle est bientôt finite. Voilà, nickel. Elle est où la sortie?
Ah non, il faut d'abord faire la jauge. Ok. Elle vient tout juste de rentrer dans la case. On se prépare. Et de 1. Ok. On fait attention que ça reste bien dans la case, comme ça on a le bonus, vous voyez le pourcentage il monte beaucoup plus vite. Voilà. C'est pour ça que cette phase là on la finit beaucoup plus vite que la normale. Nickel. Ah ouais, j'ai de la chance. Ah là, cette semaine, là, je suis bien, quoi. Là, je suis bien. Ah, on est bien. Généralement, tu dévoiles si bon arme, bon rôle. Tu vends tel quel, sinon on stack certains nombres et tu fusionnes pas en avoir un nouveau. N'active pas ton 2, mais le problème c'est que là j'ai que 15 secondes de buff sur le 2, tu vois. Vu qu'on a une réduction de la durée. 15 secondes, je préfère pas le mettre, tu vois, tant pis. Pour lancer un pouvoir toutes les 15 secondes, il n'y a pas pire en faire en fait. Allez. C'est qui les deux gars qu'il faut fréquenter pour être meilleur? Ah, après, ils jouent pas trop en ce moment, mais c'est Dimferno et God to Die. Eux, ils gèrent tous les deux. Là, c'est la Dream Team. Après, il y en a plein d'autres. Hein. En vrai, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je veux pas dénigrer tous les autres. Oh, on a eu deux shards. Après, il y a une bleue. Ça, ça pue les bleus. Il n'y a pas eu de taux forgé. Bon, c'était la première mission, les gars. Prochaine, il y a deux shards aussi. J'espère qu'on aura 5 shards cette semaine. Pour compenser la semaine dernière. Ouais, sur la lune, au hasard. Bombe attaque, ils sont pleins. Ils sont pleins à être extraordinaires sur le Discord, les potes. Ils ont chacun leur spécialité, leur connaissance. Les gars, comme tout à l'heure, il faut faire... Faut faire plein de kills. Le Plinks, les potes, c'est une putain de bonne arme. Hein. Les damage juste du Plinks, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vous conseille, je vous incite même à jouer Plinks. Le Plinks Tenet, là, hein. Allez le chercher. Hein. C'est une arme de fou furieux. Hein. Il a même un tir secondaire et tout. Et admettons vous tombez sur une mission voilà, bah comme là, regardez. On lui met le tir secondaire du Plinks. Oh, ça y est, j'ai récupéré. Allez, ça dégage. Ah, ça marche pas. J'avais pas bien visé. Allez, on les fume tous. Bonjour à Bon Passe. Je vais te mentionner un très bon joueur aussi. Panda, il s'appelle, il me semble. Ça, je sais pas. Hein. Ah, il y a plein de gens extraordinaires. Hein. Après, il y en a, ils jouent beaucoup moins Warframe, ce qui est dommage. S'il y a bien le meilleur mentor de tout le Discord,
Quelqu'un qui m'a beaucoup appris, qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, les gars, c'est Darken, hein. Alors Darken, pour ceux qui le connaissent pas, les potes, c'est... Alors il est passé la dernière fois, son pseudo c'était Eric Abdou. Il fait beaucoup de Dofus. Il joue beaucoup avec le streamer Humility, qui est un des plus gros streamers de Dofus, hein. Et en fait, c'est lui qu'un jour j'ai rencontré, il m'a montré comment farmer les plates, il m'a montré comment pousser mes premiers builds, il m'a montré comment faire mes premiers Eidolons. Avec lui, j'ai commencé à faire du 5x3. Il m'a montré énormément de choses, les gars. Il m'a montré le burner, il m'a montré... J'étais un pauvre Bambi, les gars, petit palier. Et il m'a dit, tiens... Tu veux apprendre à jouer, vas-y, je vais t'apprendre, moi. Après, des fois, il m'engueulait, hein, les gars. Hein. Il me disait, non, là, ce que t'as fait là, c'est pas bien. Parce que lui, quand il fallait faire un mouvement, il fallait le faire avec perfection. Et il passe encore de temps en temps, mais je pense pas qu'aujourd'hui, il ait encore le temps de prendre un disciple, les gars. Allez. Ah, il reste 3 minutes. Bonjour à Doudou, hello tout le monde, merci pour les informations Discord aujourd'hui, avec grand plaisir mon poteau. Je sais pas pourquoi t'as dit ça Doudou, mais avec grand plaisir. bonjour à Yannonce. Salut Panda, tu joues à d'autres jeux ou... Du tout, même hors stream. Actuellement je joue à rien d'autre hein. Je joue un peu à Helldiver, Supermarket Simulator, je joue à Overwatch, tu vois. Mais en ce moment, presque pas. Je suis que sur Warframe, même en off. Depuis que je suis revenu de vacances, les gars, je suis à fond. Ah oui, un peu d'AFK journée, du coup. Je pense que ça restera, parce qu'AFK journée, tu peux jouer, tu peux faire tes trucs, et à côté, tu laisses... Tu fais des mini pauses pour jouer à AFK journée, tu vois, comme là je fais actuellement. Mais là je suis sur tellement de projets les gars sur Warframe, tellement de trucs à faire, tellement de trucs à voir. Le truc que je vous ai montré en début de stream, hein, bon il y a que l'élite de la nation qui l'a vu parce que ils sont arrivés en début de live. Généralement quand il y a des secrets à savoir, des trucs un peu cachés, c'est eux qui le savent. C'est tous ceux qui arrivent en tout début de live. C'est là où je balance plus facilement les infos, tu vois. Je sais qu'on est entre bonnes personnes, on peut dire les choses, tu vois. Mais ouais, là en ce moment, pas grand chose d'autre. Salut l'équipe, salut à la Blade. Question, le Riven voilé, Unville. Quand il n'y a pas la quête Unville, c'est quand la quête? Oh. Quelqu'un a compris la question de Kao Kao, je vous laisse lui répondre. La lune et la bande pour toutes les infos ventes. Ah bah nice. Ah c'est des bons, c'est des bons. Merci à eux. Des amours. Des amours. Et on a une chouette équipe hein, sur Discord. On a une chouette équipe. Un immense merci à eux hein, d'être aussi gentils et aussi serviables avec les gens de la communauté. Ils ont tous leurs qualités les copains et je les en remercie d'être ce qu'ils sont.
Yasola. Je viens de finir une mission arbitrage, j'ai fait 200 ciel essence, ça fait tellement du bien. Ah bah tu m'étonnes moi Aksu. GG en tout cas, hein. GG à toi. Je sais pas pourquoi je peux pas faire de gros sauts, regardez là, ça c'est mes sauts là. Je peux pas faire mieux que ça. Je sais pas, c'est un bug ou... Ou alors c'est... Y'a un malus qui bloque là, je peux pas faire de saut ni rien. Ah, je vais faire avec le Tenno. J'en ai chié. C'est un bug, je pense. Fragment rouge, du coup, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, pour le moment, on est bien. Mais j'ai pas eu de taux forgé, donc je me plaindrai quand même. Là, je vais quand même me plaindre. N'oubliez pas, les gars, faut faire les 50 kills très vite. C'est quoi la mission là? Oh, c'est une exter. Oh bah nickel. Bah, je vais la fumer l'exter. Dès qu'on fait les 50 kills, je la fume. Hein. Oh bah cette semaine, c'était très facile, les gars. Cette semaine, c'était vraiment facile. C'était incroyablement simple. Ça fait du bien un peu de simplicité aussi de temps en temps. Oh, y a quelqu'un qui est mort. Je dis c'est facile, il y a deux morts. Ah ouais, faut pas rester à côté d'eux, hein, les gars. Hein. Eux là. Hein. Bon, ils sont res, ouais, ils sont res. Faut éviter les, hein. Merde. Je suis obligé de le traverser. C'est bon, les pouvoirs, les pouvoirs. Ça fait 50 là, c'est quoi cette arnaque? Ah bah voilà. On s'est trop fait arnaquer, hein. Je me suis fait TP, non? Je me suis fait TP. Bah ouais, mais non, les gars, si j'ai eu que 3 shards, c'est comme si j'ai eu une taux forgée en fait. Donc c'est là, je me suis fait arnaquer pour le moment. Enfin, j'estime m'être fait arnaquer. Les parties concernées pourront prendre un juge et un avocat, saisir la justice et plaider leur cause. Mais moi, j'estime avoir été une fois de plus lésé comparé à tous ceux qui m'envoient des screens là tous les jours là. Vous voyez pas mes messages, les gars, hein? Vous voyez pas mes messages que je reçois, hein? Quand le mec, il a eu première mission de taux forgé, il prend un screen, il l'envoie à Panda, en fait. Et il se dit, tiens, ça va lui foutre le seum. Voilà. Oui, j'ai le seum. Oui, j'ai le seul. J'ai pas le seum que il t'est arrivé un truc de bien. J'ai le seum que à moi, ça m'arrive pas. Tu comprends? À moi, ça m'arrive pas, ça. Moi j'ai pas deux taux forgés sur une semaine d'Archimédès. Ça n'est jamais arrivé en fait. Ça n'est jamais arrivé. Moi je n'ai que mes yeux pour pleurer, tu vois. On va aller par là, visiblement. On est en rond là dans cette salle. Chez elle, tuer lui, hein.
Allez, on se barre, faut pas qu'ils nous poursuivent. C'est quoi cette arme là avec laquelle il tire lui? Alix. C'est Do, Tizis, Ninkondi. Ah non, attendez. Mais non, c'est Dante, c'est le pouvoir de Dante. C'était l'arme de Dante. Ah non, c'est pas le Scourge, c'était le... C'est le Noctua. C'est ça, c'est le Noctua que tu as, Alix. Je voyais pas bien. Je voyais pas bien. C'est quoi comme activité? En travail à côté, les cheveux? Dis-moi que je suis magnifique. Mais bien sûr, tu es magnifique, tu es même extraordinaire, mon agamoteur. Le jour où tu pourras acheter des taux avec des PL, Panda passe à 0 PL. Ah, je te le garantis. 5000 plates unités, il y en a quelques-unes qui vont partir. C'est sûr. C'est sûr. 5000 plates unités, il y a moyen qu'il y en ait quelques-unes qui soient achetées. Ah. J'ai eu 5 shards cette semaine. Merci. J'ai eu 5 shards cette semaine, les gars. J'ai eu les 5 shards et j'ai eu une taux forgée. Merci. J'en ai chié toutes les semaines. Je vous jure, j'en ai chié toutes les semaines, les gars. J'en ai chié de ouf. Je les ai eu, les 5 shards. Putain. J'aurais pu avoir 5 taux forgés, j'aurais été encore plus heureux. Un jour. Pensez à moi pour les 5 taux forgés. Je compte sur vous, DE. Si un jour il faut donner 5 taux forgés à quelqu'un, j'espère que ce sera à moi. 5 shards dont une taux forgée. Ouais, non, ça va. Cette semaine, je suis satisfait. Cette semaine, je suis très satisfait, les gars. Très satisfait. 5 shards dont une taux forgée, ça va. Ça va. On ne se plaindra pas. On ne se plaindra pas. Après, les gars, j'ai subi des semaines et des semaines de... C'était dur, hein. C'était dur, je rageais en stream, hein, les gars. Hein. J'avais une charte, ça avait été tout le temps une bleue. Tout le temps une bleue, les gars. De temps en temps, ils mettaient une petite charte à côté, mais j'avais tout le temps la bleue. Hein. Et combien de semaines j'ai fait, les gars, avec une ou deux bleues? J'ai rien d'autre à côté. C'était dur, hein.